Bref, yo YouTube, cinquième course avec la Rocket Williams Racing. On a marqué des points en Azerbaïdjan, c'était vraiment cool. Russell a marqué ses premiers points aussi, c'est cool. Bien évidemment, je suis en live comme d'habitude, n'hésitez pas à dire coucou YouTube. Et Grand Prix d'Espagne, comme à chaque fois, je pense que ça va être un... Ça va être un... Ça va être une habitude parce que sinon ça va pas être marrant. Je regarde pour les pour l'IA voir si je dois l'augmenter ou la baisser. Normalement, là ça devrait aller sur ce Grand Prix. Je l'ai baissé déjà deux fois à deux reprises. Bahreïn parce qu'ils sont surcheatés comme le 2018. Et l'Azerbaïdjan parce que je suis une quiche. Donc du coup voilà. J'essaye de me les mettre à peu près à niveau. Tant que mon coéquipier va à peu près à la même vitesse, j'imagine, enfin j'estime que j'ai bien réglé la difficulté de lire. Voici pour l'introduction, le black screen s'il peut s'enlever, voilà. Nous avons pris des pièces, donc on va vérifier si elles sont passées. J'ai objectif, finir 11e ou mieux lors des qualifications. Ça risque d'être compliqué, sachant qu'il n'y a que deux courses. Donc déjà Monaco, faut savoir, ça va être impossible. Donc va falloir le faire ce week-end-là. Et on a toutes les améliorations, c'est cool. Et il ne pleut pas, c'est cool aussi. Ok, du coup on se retrouve pour les qualifs, pour la rediff YouTube, pour la vidéo YouTube. Et nous on va faire les essais de notre côté. Alors, on a fini les essais. Ça s'est plutôt bien passé en rythme de course. Mais qualification, ça risque d'être très très compliqué. L'objectif, ouais, sachant que l'objectif c'est 15e, ça risque d'être assez compliqué. Et je crois que l'objectif plus là, pour avoir des points, c'est 11e en qualif sur deux courses. Donc Monaco déjà, ce sera mort. Et celle-là, ça risque d'être encore plus compliqué. Les qualifications vont commencer d'un moment à l'autre sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Cette journée en piste promet beaucoup d'action. Les pilotes ont tendance à se plaindre du niveau d'abrasivité élevé sur ce circuit et je ne pense pas que les types de gommes proposés ce week-end apportent une solution. Alors la course se jouera-t-elle sur l'endurance des pneumatiques? Il faut une monoplace bien équilibrée pour répondre aux exigences de ce circuit et les écuries font beaucoup d'efforts pour tendre vers cet équilibre plutôt que de tout miser sur une caractéristique. Mais l'usure des pneus pourrait être un facteur important ici. Si les pneus lâchent, ce n'est pas la vitesse qui vous sauvera. Bon, n'ayant pas réussi à passer le dernier virage, comme on appelle ça, flat out, parce que l'arrière se barrait, je vais mettre un aileron arrière en plus. Je vous avoue que le réglage est un peu YOLO selon mon ressenti, donc je sais vraiment pas s'il est bon ou pas. Mais voilà quoi, on part sur ça. Voilà, quand je vous disais que j'arrive même pas à le passer flat out, bon là j'ai un peu glissé par contre. C'est pas ouf pour commencer un tour. Et de toucher l'herbe non plus, c'est pas ouf. Bon, on avait peut-être dû des améliorations, mais ça reste toujours même très compliqué cette voiture. Très compliqué ce dernier virage. Une 22.4. Ça a 3 secondes quand même. Hein. Non, mettre le pied à fond, c'est une tannée cette voiture.
tourne. Bref. On n'aura que 2 tentatives finalement. Allez, dernier tour de qualif. On est loin dernier. Ça, c'est une bonne blague aussi. Je tourne trop tôt. Non, pas aller la crash. Les qualifications Tori. Viennent de se terminer. Revoyons qui sont les 3 premiers. Hamilton, Verstappen et Charles Verstappen. Leclerc. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Bah ouais, mais comment veux-tu rivaliser avec la voiture sur un circuit qui est full aéro et full châssis alors que t'as pas d'aéro et pas de châssis? C'est pas possible. Bonjour, je vous parle d'un endroit que vous connaissez bien. C'est jour de course aujourd'hui en Espagne, et alors que tout reste à jouer dans ce championnat, il n'y a pas de place à l'erreur dans un Grand Prix aussi difficile. Le circuit de Barcelone est une piste rapide de 4 km 650 où l'appui des machines et le courage des pilotes jouent un rôle essentiel. Croyez-moi, le virage 9 pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge. À mes côtés, comme toujours, Nicolas Martin. Et si on commençait par parler de Valtteri Bottas? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Vettel, Valtteri Bottas et Gasly, Hülkenberg, Ricciardo, Perez et Romain Grosjean, Norris, Sainz, Lance Stroll et Butler, Raikkonen, Russell, Le Gall et Kevin Magnussen. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Weber et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. On a quand même gagné 3 positions. Effectivement, il n'a pas le temps de citer les pilotes. C'est vraiment frérot, au plus vite. Allez, on va mettre un petit tour de carbu en plus. Pas plus. Et effectivement, gros fun en approche. Et tu pronostiques 12e. T'es bien optimiste, Rémi. Allez, c'est parti pour beaucoup trop de tours. On va passer sûrement dernier parce que bon, à moins d'un fait de course, ça va être très compliqué d'aller chercher mieux que je sais pas. Allez. Quel départ de merde de la part du joueur suisse. Et hop, salut par les séries. Ok. C'est bon. J'ai tenté. Qui ne tente rien ne tente rien. Hein. C'est connu. Allez, Alex Sondé, pas derrière. Alors, on a eu un démarrage de merde. Puis après, ça a été. Puis après, j'ai perdu la voiture, donc ça a été moins. Puis j'ai fait un dépassement. Donc au final, ça va ou ça va pas? Eh ben, ça va être compliqué, hein. Second of the car ahead in the DRS zone.
Il y a un bon petit train devant moi. Je sais pas par qui il est mené. Je crois que c'est une Force India, donc je pense que ça doit être Perez. Oh, le sous-virage. Non, le survirage maintenant. Putain, j'ai réussi à la tenir brillamment, je trouve, quand même. Mais non, c'est pas des fleurs, mais quand même. La Williams s'en mousse, effectivement. Ouais, c'est clairement pas un circuit pour elle, quoi. Elle se sent pas à l'aise, hein. Wow. Je donne tout là pour essayer de rattraper, mais moyen tiède, hein. J'ai cru qu'il allait y aller, Magnussen. Ça m'aurait pas étonné. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Arrêtez de mentir. Vous avez menti, monsieur. Oula. Bah, s'il te plaît, un moment. Respecte-moi. T'as pas envie de me respecter, hein, la voiture. Si j'arrive à suivre Magnussen, peut-être qu'il rattrapera le train. Que si j'arrive à le suivre. Il y a beaucoup d'arrêts déjà. Oh wow. J'essayais vraiment d'attaquer, hein, mais plus devant il y a. Y a bagarre. Mon coéquipier se fait prendre en sandwich par une Ferrari et une Red Bull. Allô? J'ai plus le DRS. Fais chier. Oi 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 oi. Squeeze Pyro. Ah oui, Vettel bloque moi Magnussen. Oh, je suis allé large là. Deuxième avertissement. Le monde qu'il y a. J'ai touché la roue. Pyro, you're not going to pass me. Oh, il y a Bottasos derrière. Ah, si putain. Non. I say. No. No, Pyro. No. No, 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 no. I am the no-no Williams. C'est comme le no-no cat, mais en Williams. Je sais pas combien il y a de voitures devant. Il y en a beaucoup trop. Car Mars au coq. Allez! Salut Bottas! Tu me dépasseras pas! Oh, Russell qui défend sur Verstappen poulet! What? Zork qui disait le Grand Prix aussi chiant que le réel, mais là, non, bon, là je me fais pas chier. C'est excellent. Par contre, Russell se fait bouffer de partout.
Oh, le freeze. Oh, Bottas. Je laisse la place, mais je vais faire comme Gasly. Hein. Tu passes pas. Hein. Oh, rien à foutre, frérot. Quoi, à part les serrures? Non, abuse pas non plus. Respecte-moi. Bottas qui n'a aucune envie de me respecter. J'ai surshift, il va me dépasser. Casse-toi! Oh non, mais elle me saoule quand il fait ça à la bagnole. Ouah, Bottas. Premier move débile d'un bot que je vois sur le jeu. Ouais, par contre, il en a chié, effectivement. Je suis plutôt content de moi. Mais là, ouais. I've lost sometimes to the top team in front of me. Bon, moi j'aurais tout donné, ça se voit aux pénalités, je m'en suis pris une en 12 tours. Ouais, ouais, Perez va 2 secondes plus vite que moi. Ok. Il s'ouvre et il se referme le DRS, c'est moi ou... Oh, yeah. Oh, merci de ton host Calibibit, c'est génial mec. Merci beaucoup. On va pite ce tour. Non mais je rentre ce tour, Jeff, t'es con ou... Ouais, et puis j'ai bien attaqué quand même. Hein. Ils sont morts mes pneus. Oh, Magnussen. Le bouchon Magnussen. Go pit ce tour. Sauf si Russell me devance. Je pense pas qu'il va me devancer. Non, effectivement. Waouh, ce stint! Il a commencé en mode très très chiant, mais. Waouh! Oh, Weber a abandonné! Incroyable! Go, go, go. 2.2, waouh! On est sur du gros score là. Oh les gars, je vois 52 viewers, j'ai jamais vu autant. Enfin, ça fait un bail que j'ai pas eu autant. Bienvenue à vous les gars. Si quelqu'un peut me faire un petit screen de ce qu'il y a sur Twitch, du nombre de viewers, ce serait incroyable. Merci beaucoup. Ton volant a l'air vraiment court. Ouais, c'est un volant classique, je dirais. Ah, Magnussen, bam. Comme à l'habitude de cette voiture, je la sens mieux avec les pneus durs, à savoir. Ok, Russell, j'ai doublé. Ah, je suis allé un peu loin. Qu'est-ce que c'est serré? Oh non, là j'ai foiré. Allez Kimi, on passe derrière. Merci bien. Il faut se souvenir que j'ai 3 secondes de pénalité. Hein. Pas oublié.
parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher. Comment je l'ai tenue celle-là? Incroyable. J'ai eu chaud. Et je me rappelle que j'ai toujours 3 secondes de pénalité, ça a pas changé. Là, je suis avec les hard moi. Blunt. Je suis avec les blancs. Petit freeze. Petite touchette. What are you doing? What are you, I am doing? Yes. Voiture ou jeu de tennis de table. J'avoue que j'y suis un peu allé au forcing. Oh, seul. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bah, coup dur, hein. Ouais, non, c'est entièrement de ma faute, Blunt. Pas de flashback sur le coup. Je peux en faire si je regarde le chat ou quoi, mais là, c'est totalement de ma faute. Donc, j'en fais pas. C'est dommage parce que c'était intéressant quand même. J'avoue, c'était intéressant. Cette course était intéressante. Mais bon. Tant pis. Elle aurait pas été facile cette voiture sur cette course. J'en ai tiré le maximum, je pense. On va pas lui en tirer plus, pas sur ce circuit. Okay, gap ahead is 8.3 seconds. Wouh, je glisse. Ah, je commence à comprendre que ça glisse, effectivement. Le spin doit pas avoir aidé non plus. Bon, on va se laisser faire prendre un tour. Ça va être la fin, là. Ah, je me serais battu sur cette course, hein. J'aurais tout donné... J'aurais tout donné de la voiture, j'aurais pas pu plus. Hein. Mais j'ai fait une erreur, malheureusement. Ah, je suis cassé. Je suis cassé. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse! Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Ouais, je vais live demain, Master Killer.
Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Mon pilote du jour est Devon Butler. Il a su remonter le peloton de manière admirable, renforçant sa réputation grandissante d'attaquant impitoyable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Et du coup, Butler qui marque le premier point pour Toro Rosso, incroyable. Ouais. Et nous, bah voilà quoi. Bon, on ne s'en tire pas si bien au face-à-face pour cette fois. On récupère nos points. Alors, est-ce qu'on peut aller faire quelques améliorations ? Si ça ne tenait qu'à moi, j'investirais sûrement dans ce domaine. Le châssis dans lequel on est encore une fois dernier, pour l'instant. Et on ne peut plus investir. Ok, très bien. Fin de l'épisode, du coup, épisode 5. Ça ne s'est pas passé si bien que ça. Même si la course était intéressante. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Merci à vous, et puis je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco, frérot, putain, ça va être incroyable. Allez, ciao YouTube.